vous allez bien, que tout le monde va bien. Ouais, j'adore mon make-up. Alors, même si on n'aime pas, c'est pas grave. Moi, j'adore le vert. Vous voyez, je suis vert jusqu'au bout. Chez moi, c'est que du vert. C'est la plante, c'est la faune, la jungle, c'est tout ce qu'on veut. J'espère que vous allez bien. Alors, tout d'abord, j'ai besoin de vous parler par rapport à un truc qui m'a énervé, mais grave, qui m'a vraiment grave énervé. Et pour ça, je vais vous montrer. Voilà. Autrera Beauty. D'accord. Il faut savoir que Sananas, c'est vraiment un soutien pour Sananas, je vous le dis. Parce que j'ai vu des vidéos hier, j'étais choquée. Il faut savoir que Sananas, elle a arrêté sa boutique. Pourquoi? Elle a arrêté parce que justement, ben, il y avait des choses qui n'allaient pas et elle a tout à fait le droit. Donc, elle a tout mis à moins 70%. Je trouve ça très gentil de sa part. Elle aurait très bien pu ne pas le faire, ne pas mettre toutes les choses à moins 70%. Et il s'avère que moi, j'ai eu la chance d'avoir la palette et je suis très contente, hein, je suis très satisfaite. Voilà, elle est très belle. Donc, je suis très contente de l'avoir eue. Et j'ai eu les rouges à lèvres, dont un que j'ai là qui s'appelle Battante, qui me convient très bien, et un autre Brave. Il faut savoir une chose, c'est que des produits qui sont en rupture, les personnes ont été remboursées. Et si elle n'a pas été remboursée, elles vont être remboursées. Sananas n'est pas comme ça, quoi. Donc je ne comprends pas ce buzz sur elle en disant oui, c'est pas possible, j'ai pas reçu mes commandes. Mais attendez, vous allez les recevoir. Il faut savoir que c'est moins 70%. Moi, j'ai eu de la chance. Je vous assure que je me suis dit, ça se trouve, je ne l'aurais pas. Mais c'était compréhensible dans la mesure où elle a tout fait à moins 70%. Comment voulez-vous comme ça, hop, d'un coup de baguette magique, hop, on prenne. En plus, elle ferme sa boutique. Elle a fermé. Donc, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de boutique. Il n'y a plus rien. Donc, même les personnes qui l'ont aidée, ce sont peut-être des personnes qui sont déjà super gentilles de l'avoir aidée. Elle a peut-être pris une société. Il faut savoir que si il y a telle ou telle personne qui ont dit, bah, tiens, je pense qu'ils ont priorisé. Les personnes qui ont pris Colissimo. C'est ce que je pense. Ils ont priorisé. Voilà. Mais Sananas n'y est pour rien. Je trouve tout cet acharnement contre elle incroyable. Des vidéos, je ne sais pas, des vidéos, franchement, il y en a plein. C'est lamentable. Donc moi, je voulais juste dire que moi, j'ai reçu ma commande. Je suis hyper satisfaite de l'avoir reçue. Les rouges à lèvres sont magnifiques. Et si je ne l'avais pas eu, eh bien, je ne l'aurais pas eu, mais j'aurais pas fait tout un pataquès. J'aurais pas dit, ouais, c'est pas. Elle, franchement, déjà, elle aurait pu laisser tout au même prix. Elle aurait pu laisser tout au même prix. D'accord? Elle a mis à moins 70%. C'est sûr que si elle avait laissé tout au même prix, il aurait fallu attendre beaucoup plus longtemps. Mais quelque part, elle a voulu le faire aussi pour ses abonnés. Alors, s'il vous plaît, soyez gentils, arrêtez de la casser, arrêtez de l'humilier. Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas cet acharnement. Dire, ouais, nanana, c'est pas bien. Moi, j'ai pas eu ma commande. Moi, j'ai pas eu ici. Je nomme personne et je cite personne. Mais quand j'ai vu toutes les vidéos qui sont faites par rapport à ça. Alors que sa nanas en ce moment, elle n'était pas très bien. S'il vous plaît, foutez-lui la paix, quoi. Arrêtez. Voilà, c'était mon coup de gueule parce que ras-le-bol. Franchement, j'ai vu que ça. Je vais vous dire combien il y a de vidéos sur ça. C'est lamentable. Et moi, je soutiens à 1000% Sananas. J'ai toujours commandé. Et quand je ne peux pas commander, eh ben voilà, ben, tant pis quoi. La palette, je voulais prendre la grande palette avec les pinceaux. Je ne les ai pas eus. Est-ce que j'ai fait tout un speech? Non. J'ai pas eu les pinceaux, c'est tout. Si je l'avais pas eu, eh ben je l'aurais pas eu, c'est pas grave. Hein. Mais franchement, c'est pas grave. Je veux dire, c'est déjà gentil qu'elle ait fait moins 70%. Je comprends pas. Moi, je comprends pas. Tout ça pour du buzz ou je sais pas quoi. Franchement, YouTube me plaît de moins en moins. C'est pour ça que je fais qu'une vidéo par mois, parce que. Par mois, par semaine, parce que ça m'énerve. Voilà, tout simplement. Ça m'énerve, je trouve ça complètement illogique. Alors, je vais vous le dire tout de suite. Je vous dirai pas les noms des personnes, hein, certainement pas. Hein. Juste vous dire que c'est un gros ras-le-bol, un gros coup de gueule. Foutez la paix à Autrera, foutez-lui la paix, foutez la paix à Sananas. Elle vous a rien demandé. Voilà. Alors, attendez.
J'étais choquée. Quand je vous dis que j'ai été choquée, et vous savez que moi je suis quelqu'un qui me laisse pas faire. D'ailleurs, c'est pour ça que mon rouge à lèvres s'appelle battante. Voilà. Mais je l'aurais pas eu. C'était franchement pas grave si je l'avais pas eu. C'était pas grave quoi en soi quoi. Je vais dire, elle ferme sa boutique et encore, estimez vos rôles. Il y a des boutiques qui font faillite. Et ben on perd tout. On perd tout si on a commandé. On perd tout. Bref, voilà. Ça m'a énervée. Alors, voilà, la fin d'Autréa Beauty, Sananas vole ses abonnés, Autréa Beauté, c'est fini. Encore là, ça va, c'est fini, ça va, quoi. Le scandale, Autréa, il n'y a pas de scandale, c'est vous qui vous faites un scandale, il n'y a pas de scandale. Quand on met des produits à moins 70%, on ne va pas aller dire oh ouais, bah, tant pis, je les ai pas eus, il y a rupture. Mais c'est normal qu'il y a rupture, moins 70%, c'est tout à fait logique. Voilà. Bah écoutez, si vous voulez vous abonner, bah, abonnez-vous, hein, mettez un petit pouce, hein, ça fait toujours plaisir, ça fait monter dans l'algorithme. Je vous embrasse très fort. Je ne sais pas si vous allez aimer mon make-up, je ne pense pas. Sinon, je vous dis avec laquelle j'ai fait. Autréa Beauty, pour l'instant, je ne l'utilise pas parce que je trouve que c'est un bijou. Je trouve que c'est un bijou en soi. Et ça m'embête de. Voilà. Et franchement, elle est magnifique. Je ne sais pas, j'utiliserai peut-être l'autre. J'avais deux palettes que j'avais achetées de l'ancienne collection de Sananas. Mais là, je sais pas pourquoi, les couleurs sont jolies. Hein. Bon, elles sont pas foufou. Elles sont normales, quoi. Elles sont pour tous les jours. Mais bon, je vais pas l'utiliser. Je ne vous cache pas, pour l'instant, je ne vais pas l'utiliser. Et je me suis maquillée avec celle-ci. Voilà. Voilà, je me suis maquillée avec celle-ci, qui est l'Avocado BH. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Je sais qu'il y en a plein qui vont critiquer parce que je ne sais pas me maquiller, mais moi, je me maquille comme j'ai envie. Je vous embrasse très fort. Et puis, ayez de la bienveillance. Pour Sananas, parce qu'elle a fait moins 70% et c'est pas pour rien. Et je pense que les personnes qui ont fait ça, c'était pour avoir du buzz. Et c'est pas bien, franchement. Moi, je vous dis, YouTube, de plus en plus, une vidéo par semaine me suffit amplement parce que c'est juste pour mes abonnés, pour leur faire plaisir, je vous cache pas. Parce que franchement, ça me sidère, quoi, tout ça. Allez, sur ce, mettez un petit boost, abonnez-vous, likez, partagez, commentez.